Salut, salut les gars. Bah, aujourd'hui je suis là pour présenter un nouveau map sur Farming Simulator 2015 et TP. Et j'ai trouvé non, j'ai fait partie d'un groupe, d'un forum de modeurs et que ça s'appelle FT Modding. Et là aujourd'hui je suis pour présenter une map créée par eux. Bon, je vous laisse avec ma petite intro et je vous reprends tout de suite après. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Bon, là, je viens de m'acheter cette 4x4. Bah, ça c'est en mode. Je m'ai acheté cette 4x4. On va faire un tour sur la map pour le nom de la map c'est Matrix. Ici c'est le concessionnaire où on peut acheter toutes les machines, voilà, les machines qu'on achète on vient la chercher ici. Là juste à côté, si on prend le cravat, ouais, parce que c'est écrit sur la map là, dans ce coin là c'est écrit stall, ça veut dire cravat. Là, normalement, c'est pas par là, ça c'est le chantier qu'on pourra y faire pour l'instant, je pense. Là, il y a un truc là, juste à côté, que ça me dit chaud, je ne sais pas si on peut aller chercher de la chaud par là. Par contre, je vais vous présenter la map en deux épisodes parce que je vais pas pouvoir. Je pouvais le faire, mais sinon après ça va faire un grand vidéo. Et au bout d'un moment, je suis sûr que je vous saoulerai de m'entendre parler. Sans arrêt, voilà. C'est pour ça que j'ai ferai deux épisodes
Alors, ah, c'est là. La chose, elle est là. Normalement, elle est par là. Bah oui, elle est là-bas. Bah, non, c'est pas la chose. Ah, la chaux est là, juste à côté. J'ai bien trouvé la chaux. Voilà, comme elle est là-dedans, c'est pareil. Et voilà, on a trouvé la chaux. C'est parti. On va faire un tour. Par contre, il faut que je fasse un tour. Ah non, je vous disais aussi, c'est pas possible que je fasse tout le tour. Je vais passer à côté, j'avais passé ici. Je n'ai même pas vu l'entrée là. Bon, là, c'est pareil. Qu'est-ce que, normalement ici, il n'y a rien. Peut-être un parking, quelque chose comme ça, mais je ne vois rien. J'aime bien les textures. Bah, la douane, mais on n'a rien aussi. J'ai rien vu là tout à l'heure. Parce que en fait, avant que je fasse la vidéo, j'ai essayé de voir un petit peu plus sur la map et pour savoir qu'est-ce qu'elle avait pour essayer à voir si on faisait des lags voilà parce que j'aime pas faire des vidéos si j'ai un peu de lag si j'ai des lags des bugs sur le jeu avant de postuler sur ma chaîne. Voilà, la station du carburant, c'est juste là, à droite. Après, on a ici le KFC, mais le KFC, je ne pourrais rien faire pour pas que nous. C'est bien. Ici, on a ici. Pointé, on va dire comme ça, c'est comme pointé, si vous connaissez pointé, pour aller chercher du matériel, pour faire votre shooting, tout ça, c'est ici pointé. Là, il n'y a rien. Voilà. Là, maintenant on sort. Là, est-ce qu'il y a quelque chose pour là? C'est un fast food. C'est un fast food. On peut tourner. On va normalement. Comme j'ai dit tout à l'heure, ici c'est la station de service Total. Les pompiers ici à droite. Je vais tourner ici à gauche et je vais vous montrer. Il y a un petit chantier là que je ne sais pas si on peut faire quelque chose. Et je vous montre aussi la Century. Century, c'est où on peut acheter nos terrains pour faire de la culture. Voilà. Je pense qu'on n'a rien là. Par contre ici il y a un petit chantier
Il y a un petit chantier, mais je pense qu'on a on n'a rien à faire là. On ne peut rien faire là-dessus. Par contre, là c'est pareil. On a la route, mais je ne sais pas si on peut mettre du arrobé. Faut que j'essaie, je m'en forme sur une forme, à voir si on peut mettre du arrobé. Faut que je cherche, faut que je trouve une machine à arrober. Parce que j'ai tout ce qu'il faut, presque. L'hôtel, si vous voulez venir en hôtel. Là c'est la gare, parking de la gare. Parking, par contre, vous sortez le porte-monnaie parce que le parking est payant. Une petite blague, bon. On y va. C'est parti. Là. Là on peut déposer de la terre là tout à droite et là c'est oui c'est le chantier, le premier chantier qu'on peut déposer je pense pas mal de choses. Et comme je vous montre en fait là-dedans on peut poser le matériel. Matériel, j'ai dit des prix. Faire c'est qu'on va passer de ce côté là, on va continuer de ce côté là, on va découvrir le chantier numéro 3. Chantier numéro 3, il est là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici dans le chantier numéro 3? Oui, je vais pouvoir ramener du matériel là-dedans. On met du matériel. C'est classe. On peut
je pense que chaque matériel qu'on peut acheter, bien chercher par là. C'est une coopérative juste à côté de droite. C'est une coopérative où on peut, je pense, décharger du matériel et acheter du matériel. Ah, ici, pour que je vois, comme je vois, c'est, je pense que c'est la déchetterie où on peut ramener des vœux comme des cochons. La salade aussi, si on veut faire de la salade. Les moutons, c'est ici, juste à côté, jusqu'au voilà. La salade, c'est exactement ici. Et là, du terrain pour faire de la culture. Après, je vais vous montrer la petite. Notre ferme ici, c'est notre ferme ici, juste à côté, hein, côté droit. On va passer vite fait à la ferme pour voir la ferme. Thank you.
notre véhicule. Par ici aujourd'hui, et la deuxième partie de la présentation de map, je ferai plus tard. Je vous dis à bientôt. Bye bye.